Donc quand vous allez être fatigué, là, vous êtes à entrée de surface, sur descente, faites l'effort. Forcez le destin. Il y a à manger. Il a dit aujourd'hui, il y a à manger. Faites l'effort. Forcez le destin. Vous n'êtes pas sur votre bon pied, la balle est fuse, les trucs, je suis pas bien appuyé. Essayez. Forcez le destin. Forcez ce putain de destin. Les gars, emmenez-nous en 16e. Emmenez-nous en 16e. Et même en 16e, on va pas s'arrêter là encore. Je vous le dis. Emmenez-nous en 16e et on va aller plus loin encore. Ok les gars? Allez. Allez, allez. Moi, je voulais vous dire, vous féliciter par rapport spécialement au parcours en Gambardella. Je vous dis pas ça pour vous motiver. Hein. Je sais que vous êtes déjà à 200%. Je vous dis ça parce que, un, c'est important que vous le sachiez. Et deux, parce que c'est ce qui va nous pousser. Il faut prendre conscience que le parcours que vous êtes en train de faire, qu'on est en train de faire en Gambardella, il est déjà exceptionnel. Ok? Donc là, par rapport au match d'aujourd'hui, c'est un match hyper important. On va pas surjouer. Mais moi, perso, par rapport à tout ce qu'on a fait déjà depuis le début, je sais que vous allez répondre à l'attente. Je sais qu'aujourd'hui, vous allez répondre présent parce qu'on n'a rien à perdre. Donc faites de ce match un match où vous allez continuer d'en parler dans 2, 3, 4 ans parce que vous serez fiers de ce que vous allez faire sur le terrain. Par contre, pour ça, inventez rien. Jouez sur vos qualités. Peu importe lesquelles. La vitesse pour certains, les qualités techniques, l'impact dans les duels, la lecture de jeu, tactique, peu importe. La confiance que nous, le staff, on a en vous depuis le début, qu'on vous donne. L'amitié que vous avez développée entre vous. Servez-vous-en comme une force supplémentaire. Parce que jouer en U18-R1, jouer en U18-R2, en U17 ou U19 national, c'est pas ça qui fait des bons joueurs. C'est pas ça qui fait que vous êtes bon ou que vous êtes moyen. Ce qui compte, c'est ce que vous faites sur le terrain. Ce qui est important, c'est ce que vous faites dans ce genre de match quand vous êtes attendu. Donc écoutez-moi bien, ouvrez bien vos oreilles. C'est notre jour aujourd'hui. C'est notre match. Jouez-le. De la première à la dernière seconde. Quoi qu'il arrive. Jouez ce match comme si c'était le dernier de votre vie. Et montrez à tout le monde quelle putain d'équipe on est. Ok les gars? Allez, c'est parti. Première frappe dangereuse, c'est ça l'idée. Hein. Là, le match commence pas dans une heure. Hein. Le match commence dès qu'on sort après l'échauffement. Dès qu'on sort, le match commence. Hey, moi je rajoute une chose, les gars, respect. Respect pour vous déjà, respect pour le club et respect pour vos potes qui sont pas sur la feuille de match. J'aurais pu prendre n'importe quel, U17, U18, peu importe, n'importe qui j'aurais pu prendre, je sais que tout le monde aurait été à 200%. La vérité c'est que je vous ai pris vous, parce que je sais que personne fera mieux que ce que vous allez faire aujourd'hui. Donc on n'oublie pas ça, on garde ça en tête pendant 95 minutes et on joue aussi pour ceux qui sont pas là. Ok les gars? Oui, ensemble. Allez, allez. Thank you.
les gars, faut aller le chercher là. Là, faut aller chercher. Ou au moins, ne pas avoir de regrets. Parce que là, si ça finit comme ça, là, et qu'on se qualifie pas, ça va avoir une tonne de regrets. Une tonne. Donc là, ne croyez pas que vous avez fait une mi-temps de ouf. Votre hein. Mi-temps est nul à chier, finalement. En tout cas, regarde, on est là, hein, 0-0. Hein. Donc ne croyez pas, là, on est bien, on a rien. Le gardien est en train de le faire briller, là. Il est en train de faire le match de sa vie, c'est vous. Regarde, c'est putain, on lâche pas, on redémarre aussi fort qu'on a commencé, sauf que là, on va mettre ce putain de but au fond. Ça qui fait la différence entre les bonnes équipes et les très bonnes équipes. La capacité de mettre ce putain de ballon au fond. Rappelez-vous ce que je vous dis là, c'est pas la première fois que je vous dis. On va forcer le destin. Moi, je le sens comme ça. Faudra forcer le destin. On va peut-être pas mettre des buts de ouf. On s'en bat les couilles. Faut que la balle, elle dépasse la ligne. Faudra forcer le destin. Donc quand vous allez être fatigué, là, vous êtes à entrée de surface, sur des centres, faites l'effort. Forcez le destin. Il y a à manger. Il a dit, Jordi, il y a à manger. Faites l'effort. Forcez le destin. Vous n'êtes pas sur votre bon pied, la balle elle fuse, les trucs, je suis pas bien appuyé. Essayez. Forcez le destin. Forcez ce putain de destin. Regarde, mais non, c'est ça. Emmenez-nous en 16ème. Et même en 16ème, on va pas s'arrêter là encore. Je vous le dis. Emmenez-nous en 16ème et on va aller plus loin encore. Ok les gars ? Allez.